Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Ces villes sont bel et bien en train de devenir de nouveaux pôles de l'immobilier de luxe. Eh oui, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois et les choses sont durablement en train de s'installer. Une sorte de montée en gamme des villes. En début d'année, le spécialiste Coldwell Banker nous avait parlé de La Rochelle, de Perpignan notamment, qui voyait la part des biens à plus d'un million d'euros exploser. Et bien cette tendance, elle fait tache d'huile. Pourquoi ? L'explication est simple. Trop de demandes, pas assez d'offres. Les acheteurs cherchent des solutions de repli, des marchés de report donc. Des marchés de report. Où sont-ils ces marchés de report du luxe ? Et alors justement, pas si loin des marchés traditionnels, mais plus loin qu'avant. L'exemple parfait pour moi, c'est le bassin d'Arcachon. Jusqu'ici, les deux vrais pôles d'attractivité en immobilier de prestige, c'était Arcachon même et Lesges-Cap-Ferret. Sauf que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les marchés sont saturés, à tel point qu'en seulement 2 ans, Lesges-Cap-Ferret est devenue la ville de France qui affiche la plus grosse part de biens à plus d'un million d'euros. Mmh. Il représente plus de la moitié du parc local. En immobilier de luxe, la ville est devenue la plus chère de France devant Paris, avec des prix moyens sur ce créneau qui dépassent les 20 000 euros du mètre carré. Alors du coup, dans le bassin, on n'a plus le choix. Les acheteurs, ils se déplacent. Le patron de Coldwell Banker me raconte ainsi que désormais dans le bassin, c'est Andernos-les-Bains, alors je ne sais pas comment on dit, appelez-nous, qui monte grandement sur le luxe. Ici, on a déjà franchi les 10 000 euros du mètre carré, alors qu'il y a quelques années, me disait-il, la ville, c'était la moins prisée du bassin. Bon, et puis, on le voit, on l'entend aussi avec les appels au 32-16, il n'y a pas que dans les villes typiquement résidences secondaires, c'est partout maintenant. Non, c'est une tendance qui est générale, en témoignent là encore les statistiques de Coldwell Banker. À Nantes, par exemple, plus de 9% des biens en vente s'affichent à plus d'un million d'euros aujourd'hui, c'est 3 fois plus qu'avant la crise sanitaire. À Antibes, près d'un quart du marché dépasse le million d'euros. La gentrification, comme on dit, elle commence même à gagner les quartiers ultra populaires dont on ne croyait clairement pas qu'ils pourraient changer, comme par exemple le nord-est parisien. Oui, et puis la gare du Nord, la place Stalingrad, ça va devenir la nouvelle avenue Montaigne. Alors j'irai pas jusqu'à dire ça, pas aujourd'hui en tout cas. Il n'empêche, Barnes, un autre grand réseau sur ce créneau de l'immobilier de luxe, il est catégorique ce réseau. Ces quartiers deviennent les territoires de l'immobilier de luxe car ils ont eux aussi beaucoup d'immeubles haussmanniens ou art déco à des prix justement un peu plus abordable. Alors j'ai mis de gros guillemets sur mon texte, j'insiste là-dessus, que les secteurs traditionnels. Plus abordable parce qu'on est quand même autour des 9000 euros du mètre carré. Mais bon, c'est mieux que les 19000 euros du mètre carré dans le 7e arrondissement. Et oui Mathieu, même les abords de la gare du Nord sont recherchés. Le quartier attire en fait une clientèle d'affaires, les fameux usagers du train, à la recherche de pieds-à-terre, des Britanniques, des Néerlandais, des Belges ou des Français expatriés. Bref, rien ne semble pouvoir arrêter ces montées en gamme. Et face au risque de déplacement des populations locales les plus modestes, de plus en plus de villes et de collectivités cherchent évidemment des solutions pour freiner cet emballement sur les prix. On en reparlera évidemment.